Si tu veux rencontrer les fées, c'est en Bretagne qu'il faut aller. C'est l'océan qui me l'a dit. Si tu veux parler aux druides, c'est en Bretagne qu'il faut aller. C'est la forêt qui me l'a dit. Et si tu veux voir un dragon, c'est en Bretagne qu'il faut aller. Ça, c'est le vent qui me l'a dit. La mer, la forêt, le vent, écoute-les, écoute bien. Ils te racontent la légende du dragon. Deux chevaliers galopaient de front le long d'une rivière. Ces hommes étaient jeunes, vaillants et assez courageux pour faire face à n'importe quelle aventure. Amis de surcroît, ils se réjouissaient de découvrir ensemble une région qui leur paraissait belle, sauvage et accueillante à la fois. Leurs chevaux avaient le pied sûr et caracolaient dans les sentiers de la forêt ou sur les plateaux qui dominaient la mer. Les côtes bretonnes leur avaient dévoilé mille visages. Et c'est à l'intérieur des terres qu'ils voyageaient à présent. J'aime cet endroit, dit Cédric. La nature est belle et pleine de surprises. Mais cette chevauchée m'a ouvert l'appétit. J'espère que nous atteindrons bientôt un village. Je rêve d'une halte confortable pour nous et nos chevaux. Confortable ou pas, lui répondit Ténélan, nous nous arrêtons à la première taverne. J'ai tout aussi faim et soif que toi, mon ami. Les méandres de la rivière les avaient amenés à l'orée de la forêt. Découvrant la plaine, ils aperçurent à quelques lieues la silhouette d'un château. Remercions le ciel d'avoir placé cette demeure sur notre chemin. Ouais, souhaitons surtout que le seigneur soit un homme accueillant et que sa table soit bonne. Ils poussèrent leur monture à suivre le cours d'eau. Peu à peu, les détails du château se précisaient, jusqu'au moment où ils virent distinctement le pont-levis et les créneaux des tours. Ils en étaient désormais si proches qu'ils purent, à leur grande surprise, voir un homme se jeter de la tour la plus haute et tomber dans la rivière. Les deux chevaliers, dans un seul élan, partirent à bride abattue secourir le malheureux. Ils mirent pied à terre. L'eau n'étant pas profonde à cet endroit-là, ils n'eurent que peu de mal à rattraper l'homme et le déposer sur la berge. « Dieu soit loué !» s'exclama Cédric. « Il n'est pas blessé. Je crois qu'il est juste évanoui. » « J'aimerais vraiment connaître les raisons d'un acte aussi désespéré !» répliqua Ténélan. « Ce malheureux a eu de la chance cette fois-ci. Par contre, nous sommes tout aussi trempés que lui !» Son ami lui coupa la parole. « Trempés, certes, mais en vie !»« Ah, regarde, il reprend ses esprits !» L'homme, toussant et crachant, se redressa douloureusement sur son coude. Tout à coup, il vit les deux chevaliers et les interrogea. Suis-je mort? Mais qui êtes-vous? Ah, grâce à Dieu, vous êtes bel et bien vivant. Nous sommes les chevaliers Cédric et Ténélan. Vous nous devez une explication. Vous vouliez vraiment vous rompre les os pour sauter d'une telle hauteur? Vous me paraissez bien réel. Je ne suis donc pas mort. Oh, je dois recommencer. Je n'ai pas d'autre solution. Dit le malheureux en se remettant sur ses pieds. Avons-nous sauvé un fou? S'interrogea Ténélan. Parlez donc, monseigneur. Pourquoi vouloir à ce point mourir? Pourquoi? Répondit le pauvre homme. Parce que la vie ici n'est plus que désespoir. Vous venez d'arriver. Vous ne savez pas encore qu'un dragon s'est installé sur mes terres. Il a trouvé refuge dans une grotte située sur la falaise. Et lorsque la faim le tenaille, il sort de sa tanière et répand le malheur sur son chemin. Nous sommes tellement impuissants et terrorisés devant ce monstre. Alors, fatigués de le combattre, nous lui apportons désormais l'un de nous en offrande, à chaque fois qu'il tente de sortir. Quel étrange accord, s'étonna Cédric. C'était donc votre tour aujourd'hui? Non, pire encore. Depuis des mois que cela dure, nous n'avons plus de gens à sacrifier. Il ne me reste que ma femme et mon fils âgés de 2 ans. Je ne puis me résoudre à faire tuer mon propre enfant. Je les aime tant, mais je ne peux non plus les protéger. Je préfère mourir que de les voir périr de façon si atroce. L'homme écarta les deux chevaliers de son chemin et se dirigea vers le château, tout déterminé qu'il était à sauter de nouveau du haut de la tour. Ténélan se jeta devant lui en disant « Seigneur, il serait préférable de vous en remettre à Dieu. Je vous assure que nous pouvons vous aider sans passer le reste de la journée à vous sortir de la rivière. Je suis prêt à implorer qui vous voudrez. Seul un dieu peut vaincre un tel dragon. » « Allons !» ordonna Cédric. « Montrez-nous la tanière de ce monstre, et avec l'aide de Dieu, nous le vaincrons !» Tout d'abord hésitant, le seigneur reprit. « Foi de breton,
on ne pourra pas dire que je n'ai pas tout fait pour sauver les miens. Vous me semblez courageux. Nous verrons si ce courage sera suffisant cette fois-ci. N'ayez crainte. Avec l'aide de Dieu, nous bravons tous les dangers. Cédric et Ténélan accompagnèrent le seigneur à son château. Ils l'aidèrent à seller son cheval, puisque tous les serviteurs avaient été dévorés. Ensuite, ils allèrent se fournir dans l'armurerie, pendant que le maître des lieux faisait ses adieux à sa femme et à son fils. « Ma tendre épouse, si je ne reviens pas cette fois-ci, je vous demande de partir avec notre enfant. Abandonnez nos terres et notre château, fuyez loin d'ici, et surtout, dites à mon fils combien je vous aimais tous les deux. Adieu, ma bien-aimée. » Sans se retourner, les trois hommes partirent en direction de la grotte. Les chevaux ne galopèrent pas très longtemps avant de montrer des signes d'inquiétude. Les oreilles en arrière, ils renâclaient, puis refusèrent d'avancer, préférant se cabrer que de faire un pas de plus. Les cavaliers mirent pied à terre et laissèrent leurs montures s'enfuir à toute allure. On ne sut pas ce qui avait réveillé le dragon. Le bruit des sabots des chevaux ou l'odeur de la chair humaine, mais il était à l'entrée de sa caverne lorsque les deux chevaliers l'interpellèrent. « Oh, toi, dragon ! Pour l'amour de Dieu, nous t'ordonnons de te montrer ! Nous te combattrons ! Et nous te vaincrons ! » Le dragon sortit tout d'abord la tête, effrayante, énorme. Le museau, dégoulinant de bave gluante, laissait échapper un souffle brûlant. Les yeux jaunes et étirés roulaient dans les orbites à une vitesse folle. Après la tête, vint le cou musclé et agile, recouvert d'écailles verdâtres. Puis le corps géant d'un lézard prêt à bondir. Des griffes longues et acérées au bout des quatre pattes. Cédric chercha le regard de Ténélan, puis s'adressa au seigneur. Vous nous aviez dit vrai, hein, ce dragon est des plus impressionnants. Puis retrouvant sa fougue... Mais Dieu, dans sa grande bonté, ne nous abandonnera pas. C'est le bien contre le mal. À ces mots, les deux chevaliers, imités par le seigneur, levèrent leur épée à bout de bras. Les lames étincelantes reflétèrent le soleil et un éclair foudroyant frappa la tête du dragon. Assommé et aveuglé, le monstre qui avait dévasté toute la région gémissait de douleur aux pieds de nos trois courageux compères. Nous l'avons vaincu! Le seigneur, abasourdi par une victoire aussi facile, voulut achever la bête. N'en faites rien, malheureux! S'écria Ténélan. Chacun a droit de vie sur cette terre. Désormais, ce dragon sera doux comme un agneau. Promettez que vous lui pardonnez et que vous saurez vous en occuper. Maintenant, il a besoin de vous. Mais il a dévoré tous mes gens! Répondit plaintivement le seigneur. Oui, mais beaucoup d'autres viendront se mettre sous votre protection lorsqu'ils apprendront que vos terres sont gardées par un dragon. Et tout redeviendra comme avant. Nous vous l'assurons. De toute façon, je suis vivant grâce à vous. Je ne puis que vous croire. Vous êtes de preux chevaliers. Je ne sais comment vous remercier. Les deux amis se regardèrent amusés et d'une seule voix s'exclamèrent « En nous offrant un bon festin, ouais, nous mourrons de faim et de soif. En fait, avant de vous sauver la vie, nous cherchions tout simplement une bonne taverne pour nous restaurer. » « Oh, fouette breton, je vous promets de vous régaler aussi longtemps que cela vous plaira. » Et c'est ainsi que se termine la légende du dragon.